Bienvenue dans Enquête excluante, où nous plongerons au cœur d'un univers impitoyable, les gens qui partent tranquilles en vacances quand leurs collègues restent à bosser comme des couillons. Nous irons à la rencontre d'un dénommé Julien, qui souhaite garder l'anonymat, et donc nous tairons que son nom de famille est Cellier. Julien nous expliquera que son quotidien, où sa direction l'oblige à la fois à porter des lunettes pour compenser sa collègue Marion, et à la fois à se raser le crâne au rasoir Bic, pour compenser son collègue Cyprien. Nous aurons aussi le témoignage émouvant d'une certaine Isabelle C., dégoûtée de bosser à la place des autres, pauvre femme, fait semblant de sourire à l'antenne alors que par déontologie, elle avait juré de ne jamais mentir aux auditeurs en faisant dans la fake news. Et enfin, nous devions recueillir le témoignage d'un certain Alex V., un Belge, mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à trouver de traducteur pour ce dialecte si particulier. Fatigue et jalousie, crâne rasé, fake news, langue étrangère, bienvenue dans Enquête excluante.